Des prix de fournitures scolaires en gros un peu revus à la hausse cette année, bien que le stock soit important contrairement à l'année dernière. Ce jeune commerçant venu de Muyunzi pour faire ses achats au marché central nous l'avoue. Il y a le cahier, mais nous on achète le carton à 30 000. Mais comme on vend quand même, on se retrouve. On se retrouve quand même et moi j'achète ici pour aller partir vendre à Muyunzi. Comme d'habitude, à cette date, le rythme de vente est encore très lent, mais la présence des cartons de cahier et autres accessoires est déjà bien visible dans les marchés de la ville. Par manque d'argent, cette année est difficile à déclarer un parent rencontré à côté d'un étalage de fournitures scolaires. Nous sommes au jour de le 9 et il y a la fin du mois qui va arriver bientôt. Bon, comment nous allons faire pour procurer les fournitures scolaires pour nos enfants? Vous voyez un peu par rapport à l'année passée, là déjà les prix commencent à galoper. Et il faut voir aussi avec le revenu des parents, bon, ce que nous percevons dans nos salaires, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour nous les parents pour acheter pour les enfants? Par ailleurs, il a esquissé une astuce pour éviter d'être submergé pendant la rentrée scolaire. Père de famille, qu'est-ce que j'ai commencé à faire depuis avant-hier? J'ai commencé à acheter 2, 3, ainsi de suite, pour ne pas que ça me rattrape dans 2 matins. Notons que c'est progressivement que les étals de tous les marchés seront totalement achalandés par les détaillants de ce secteur d'activité qui s'attellent à préparer les stocks.